11 décembre et comme chaque année, depuis 2003, l'ONU a décrété que ce serait la journée internationale de la montagne parce qu'elle est nécessaire. Rappelons quand même que la moitié de la population mondiale en est dépendante parce qu'elle est donc importante et surtout parce qu'elle est belle. Et ce n'est pas notre invité d'honneur aujourd'hui qui risque de nous dire le contraire. Bonjour Christophe Castanier. Bonjour. Bienvenue, présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonjour, je m'appelle Christophe Castanier, je suis de Gavarnie commerçant et parapentiste, passionné et oui. de, de plein de sports de montagne. Donc, je, fais, je suis venu vous raconter un petit peu tout ça. Oui, et puis, vous, vous, vous nous avez apporté de très, très belles images. On va voler aujourd'hui dans 9h50 le matin avec Christophe, notre invité. À tout de suite. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, en présence de notre invité d'honneur, on s'est intéressé aux entreprises de fabrication des voiles pour parapente. Et il se trouve que Cocorico, nous en avons trouvé une. Elle est dans notre région, dans les Hautes-Pyrénées. Nous sommes allés à leur rencontre pour que cette fabrication n'ait plus de secret pour vous. Iaoma... Point fr. Christophe Castanier passe la matinée avec nous sur France 3 Occitanie en direct. Christophe, avec la météo qu'on a vue, c'est pas un temps à parapente, hein, ça c'est sûr. Pas un temps à parapente pour la saison, c'est vrai. Alors, donc, vous êtes parapentiste, vous avez plusieurs activités à votre actif, on en parlera bien entendu. On va revenir d'abord sur votre enfance, parce que le parapente, c'est générationnel, votre arrière-arrière grand-père. Alors, pas le parapente, mais l'aventure, la découverte et la montagne, cette famille. Oui, tout à fait, oui. Euh, oui, oui. Euh, mes aïeux étaient euh, guides de montagne sur Gavarnie, euh, notamment euh, Célestin Passet entre autres, qui était un grand guide euh, pyrénéiste, qui a beaucoup ascensionné euh, dans le monde et, et bon, sur les Pyrénées, qui a ouvert des, des couloirs de Goaube, ça et tout. Voilà, donc c'est vrai que je suis lié à Gavarnie, bon mais. Oui parce que donc votre grand père a été dans, dans les premiers hein, à escalader oui. les Pyrénées et à... oui. il, a, il a fait beaucoup d'ascensions de, des premières, effectivement, couloir de gobe notamment, mais ouais. ascensionné le Sinaï, enfin il a beaucoup voyagé aussi à l'époque. 1845-1917, donc c'est vrai que c'était aussi un repère pour mon enfance. Il a ouvert la voie, en tout cas, pour Il a la grande de oui. Il a ouvert de belles voies, oui. Et, et d'ailleurs, pour fêter les 100 ans de sa disparition, oui. vous avez vous aussi réalisé un beau voyage Alors, ce n'était pas volontaire, hein. j'ai effectué un très très beau vol, effectivement, un beau voyage, oui. C'était hein. pas volontaire Ben, Disons que je ne pensais pas que je pourrais faire ça, puisque c'est, vous savez, c'est euh, l'opportunité d'avoir les bonnes conditions au bon moment. Donc, euh, quand on... On décide d'aller euh, se confronter un petit peu euh, à l'aérologie. Il faut avoir les bonnes conditions pour pouvoir euh, voler haut et loin, quoi. Et c'est vrai que cette année euh, 2017 aura été quand même une belle année pour le parapente et notamment euh, pour mon ami également Pierre Rémy, euh, oui. euh, qui est champion du monde et champion de France, qui va nous rejoindre après, fait. qui a accepté l'invitation. C'est un plaisir. Voilà, un Pyrénéen aussi, quoi. Ouais. Donc euh, voilà les Pyrénées. Euh, en parapente, oui. Mais là, on vous voit, donc vous volez au-dessus des Pyrénées. Oui. Euh, Vignemale, bien sûr, par rapport à oui. votre grand-père Oui. Enfin, arrière-grand-père Arrière-grand-père, oui. C'est un passé, ben oui, si vous voulez, le... cette année euh, 1917, c'était l'occasion la... de pouvoir commémorer un petit peu sa mémoire euh, de guide, puisque ça faisait euh, un siècle qu'il qu était décédé. Oui, c'est ça. Début décembre, quoi, en fait. Et du coup, cette année, en effectuant ce vol, euh, ben, j'ai eu la chance de pouvoir. Euh... Voilà, c'est exceptionnel, on va dire. Ouais, c'est beau, hein ouais, C'est hein très très beau, ben les Pyrénées, les vous savez. Euh... C'est sûr, c'est sûr. Alors, les Pyrénées que vous connaissez bien depuis votre enfance, vous nous avez confié des images de vous en train de skier. Alors, au départ, avant de voir la montagne par le haut, vous l'avez... Euh... Par, par le bas, voilà. C'est ça, vous, vous l'avez... Euh... Vous vous êtes présenté ensemble par le bas, voilà. Ben oui, j'ai eu la chance d'avoir un papa et un, un grand-père qui étaient moliteurs de ski. Oui. Donc, depuis tout petit, j'ai baigné dans ce milieu du ski des années 70-80, on va dire, quoi, au tout début. Quoi. Et donc, ça m'a permis également de pouvoir découvrir euh, ben, la glisse. Et euh, à partir de là, c'est vrai que euh, j'ai toujours été passionné par le ski et le snowboard, notamment, beaucoup. Oui. Voilà. D'ailleurs, vous avez des prix hein, aussi. Hein oui, 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 j'ai gagné euh, oui, quelques circuits pyrénéens, quelques… oui, oui. Oui, euh, oui, j'ai beaucoup pratiqué. Mais euh... soyez pas modeste, allez-y. Non, non, mais oui, oui. <laughs> je suis tout timide là, mais oui, bon, j'ai quand même timide, des, bon, des prix, hein. c est, c est, Vous savez, Pierre, vous dire la même chose. Je pense que quand on arrive à faire certaines choses dans la vie, ce c'est pas lié non plus qu'à son propre ego ou on sûr, est mais... bien entouré. C'est vrai que j'ai des pensées particulières pour notamment Loïc Cadieu, Mickey, qui m'a beaucoup amené en snowboard, donc euh, qui m'a très malé On beaucoup. Donc tôt, euh, oui. voilà, c'était du voilà, c'était une époque. Ça c'est en 1991, je crois. Donc c'est tout un contexte, vous savez le snowboard en 1991 c'était des problèmes de la Fédération Française de Ski, on avait une association française de snowboard, on voulait avoir un diplôme, donc ça ne coïncidait pas avec ce qu'avait décidé la Fédération Française de Ski, donc on s'est quand même battu pour essayer d'avoir un diplôme, mais c'est comme ça. Donc, euh, voilà, le, le snowboard a fait partie intégrante de ma vie, il fait encore oh. partie intégrante de oui. ma vie. Vous avez aussi arpenté euh, la montagne en VTT, hein Oui, en VTT beaucoup <laughs> aussi, c'est vrai, vrai, en VTT aussi, beaucoup en descente, en trial aussi. Euh, oui, oui, on avait un club qui s'appelle euh, Puyatalabara, qui était à on, on a monté, si vous voulez, on était un précurseur dans ces activités-là. Mm -hmm. Donc, on a eu besoin de monter notre propre club, comme l'Ardiden Snowboard Club. Après on a monté également un club de VTT pouillat Donc ces clubs elles, nous permettaient en fait de pouvoir participer aux compétitions. C'était au, au, au tout début. C'était, hum. je veux dire, oui, mais il y avait tout à faire. Finalement. Il y avait tout à faire. Et ouais. Il y avait beaucoup de choses à faire. Je suis dans 1974. Donc c'est vrai qu'on a vu quand même l'évolution du VTT, du ski, du snowboard, du parapente, de, de tout ça. Ça a été fabuleux, quoi. Donc, euh, on l'a vu, tout d'abord la montagne par le ski, par le VTT, puis maintenant en parapente. Quel a été le déclic alors Alors, en 1987, euh, on est venu me chercher euh, chez moi, euh, notamment euh, Xavier de Moury et Patrice de Bellefond. Donc, Xavier de Moury qui a conçu euh, JPAL avec Patrice de Bellefond et ensuite qui a, qui a conçu euh, Nervure, la société SRL Nervure, à laquelle, dans laquelle travaille Pierre-Emy, euh, ouais. qui est concepteur. Ouais, ouais. Et donc, euh, donc euh, ils sont venus me chercher, et puis là, j'ai commencé à pouvoir réaliser un peu un rêve d'enfant, quoi. C'est-à-dire que quand on est en bas, euh, que ce soit en bas des pistes, ouais, on, va, ouais, ouais, on ouais. va passer les oiseaux, bon, on se dit, mais moi, j'aimerais faire ça, quoi. Ouais, ouais. Donc, mon papa faisait un petit peu de modélisme, du cerf-volant, donc, bon, déjà, on y était, quoi. Et puis, euh, après, j'ai eu la chance, voilà, de découvrir ben, Xavier Dumoury, qui m'a beaucoup, beaucoup amené euh, dans toute ma carrière également, puisque j'avais été salarié également chez Nervure pendant presque quatre ans et demi, je crois. Et donc euh, euh, voilà, c'est comme, comm... comme ça, ça qu'est qu née la passion. C'est comme ça qu'est née la passion parce que voilà, 1997, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de monde qui faisait du parapente non plus. Et, et oui, exactement. Et donc on va en parler du parapente. <laughs> c'est dans la deuxième partie de, de votre interview, mais pour l'heure, on a donc retrouvé la seule entreprise française et elle est ici en Occitanie qui fabrique les voiles pour parapente. Regardez, les Hautes Pyrénées sont réputées pour être un eh bien voilà, maintenant qu'on en sait un peu plus sur la fabrication des voiles pour parapente, nous allons voler avec notre invité, Christophe Castanier, qui est parapentiste. Et donc, Christophe, je pense qu'il serait important tout d'abord de redéfinir le parapente. Quelle est la différence déjà entre le parapente et le parachute oh, C'est surtout des, une histoire de profil, de performance également et d'utilité. Du, un parachute, on saute d'un avion, il faut que ça s'ouvre, qu'on se pose. Un parapente, ça nécessite beaucoup plus de technicité au niveau de la conception de la voilure euh, comme on dirait Xavier de Moury, des cathédrales de tissus et c'est vraiment des cathédrales des cathédrales de tissu parce que les, les couturières qui travaillent euh, toutes ces voiles qui, qui conçoivent ces voiles notamment chez nervure ce sont vraiment des du travail de haute précision avec des découpes millimétrées donc c'est vraiment euh, finalement un ce qui est fabuleux, c'est que c'est un parapente. Ça peut peser 4 kg, on va dire. Bon, c'est un aéronef qui est extrêmement léger. Donc, ça nous permet de décoller à pied. De la montagne, oui. De la montagne, Évidemment. oui. <laughs> voilà, d un, d un, du, du plus bas qu'on peut pour essayer de monter <laughs> le plus haut qu'on peut. Éventuellement, le plus loin possible. Ah, ça, je ne sais pas. On part le plus bas le, Moi, j'aime bien partir le plus bas. Ah, c'est dingue. Parce que l'idée, c'est d'arriver à faire le maximum de gains, finalement. Et, euh... et donc, c'est vrai qu'après... c'est Bon, on peut développer, si vous voulez, le côté feeling du parapente. Quoi. Le ah bah parapente, oui. vous voyez, on, bon, on, on, voilà, on, on vole un petit peu dans l'invisible, qui peut se matérialiser par la formation de nuages. Donc c'est vrai qu'il faut quand même être assez connecté un petit peu aux éléments. On le voit en tout cas, oui, superbes voilà. images que vous nous avez confiées. Hein. Ben, écoutez, c'est vraiment un plaisir de partager ces quelques images-là, parce que les Pyrénées sont très 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 belles et... Les et c'est vrai que par la pratique du bipass, ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager euh, voilà, des vols avec des amis, des jeunes pilotes, des... Et j'espère bientôt euh, commencer à pouvoir faire voler petit à petit euh, le public euh, handicapé parce qu'il euh, des, des, y a des méthodes pour faire voler euh, ce public et euh, j'aimerais vraiment faire partager oui, ça. – il y, y a et et des restrictions aujourd'hui. Et... – des restrictions, on pourra en parler après quand même, ouvrir une petite parenthèse sur les restrictions qui existent sur le vol libre, sur les Pyrénées, euh, dans les parcs nationaux, sur les réserves naturelles. Euh, – ouais. Alors pour le vol en lui-même, il y a euh, deux techniques, hein. il y a le vol dynamique et le vol thermique, c'est ça il y a le vol dynamique et le vol thermique. Il y a, alors, il y a, alors, si rapidement. vous voulez, le vol dynamique, rapidement, un vol dynamique, si vous êtes en bord de plage, par exemple, vous avez une brise qui vient de la mer, vous pouvez faire du vol dynamique. D'accord. Donc, c'est en fonction du vent et Exactement. Des Là, on va dire que c'est en fonction des brises et du vent, effectivement. Voilà, d'accord. Voilà. Le vol thermique, c'est un vol qui est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut venir comprendre, il faut venir euh, trouver les thermiques, les, les, les colonnes d'ascension d'air chaud euh, qui nous... Oui. Permettent de monter à l'intérieur comme les oiseaux, tout simplement. Mais alors, ça, vous le savez comment À l'avance Non, ce pas un sens exact. Disons qu'on peut sentir que les conditions vont être bonnes, très bonnes, un, deux, trois jours avant, des fois. Ah euh, oui, euh, oui. Ne serait-ce que par le feeling. Quand on a la connaissance et l'expérience ouais. de l'aérologie, on... et puis maintenant, avec euh, la technologie, euh, sûr. on a des moyens, on a des sites qui nous permettent effectivement d'avoir des des diagrammes, de temps, on va dire, des, des, des sondages de masse d'air, donc ça nous donne une, une idée. Pour celles et ceux qui nous regardent un peu comme moi, d'ailleurs, il faut l'avouer, qui n'ont jamais fait de parapente de leur vie, quelles sensations vous ressentez là-haut Et au-delà. <laughs> et au-delà. Ah. Ben, les sensations, si vous voulez, c'est la sensation de, de, vol, un, bien sûr, ouais, de euh... vol, de liberté, et puis euh, quand on commence à cheminer euh, au-dessus des crêtes, il y, y a vraiment euh, la contemplation qui, euh, qui est là, c'est un... On va tenter de d'ascensionner euh, en toute conscience euh, l'invisible, quoi. Donc c'est quand même quelque chose que je pense que l'être humain s'efforce de faire depuis un moment, quoi. Et c'est vrai que avec ces cathédrales de de parapente, c'est c'est quand même quelque chose d'incroyable. Moi c'est une passion qui est, euh, que j'essaie de transmettre petit à petit. On a le euh, monde à ses pieds à ce moment-là. C'est vrai. Oui. C'est incroyable. Enfin je pense que vous le voyez un petit peu au travers des images, ça peut vous donner des euh, – Les images et votre émotion également, parce que ça se sent que vous parlez… Euh... – ben, Oui, je pense que voilà, c'est une passion, donc euh, c'est vrai que c'est quand même formidable quand on, quand on, est à, quand on grandit à Gavarnie, qu'on regarde tous ces sommets qui sont à plus de 3 mm, avec des faces verticales de 2 mm, et qu'on voit passer les, les osseaux. on se dit peut-être qu'un jour, moi aussi, euh, et puis finalement, euh, voilà, et il, ça fait 30 ans que je vole maintenant, ouais. et pas, con, pas constamment, mais ça fait 30 ans que j'ai commencé, et c'est vraiment un bonheur de… <laughs> Et, et si vous suscitez des vocations aujourd'hui, est-ce qu'il y a une formation pour devenir euh, pilote Oui, oui, il y a une formation qui peut se pratiquer bien sûr à une école. Il y a des écoles spécialisées FFVL euh, par exemple qui peuvent vous accueillir euh, en France pour pouvoir euh, dispenser euh, toutes les cours, tous les cours de ça et tout. Et bien sûr qu'il faut former parce que le parapente qu c'est quand même c'est quand même un sport de passionné. Il n'y a pas vraiment de formation pour ça. Vous savez, on a beau avoir la technologie, ça c'est quand même beaucoup beaucoup de feeling. Et, euh, et alors, dans les Pyrénées, on ne peut pas pratiquer le parapente en vol libre. Et ça, c'est aussi votre combat. Expliquez-nous ça. Alors, si vous voulez, effectivement, au niveau du, de Gavarnie, par exemple, qui est une zone cœur, on va dire, des Pyrénées, il y a, des, il y a un parc national des Pyrénées. Et il y a également certains endroits des, des réserves naturelles. Tout ça et tout. Donc tout ça, ou les communes, où on est soumis à certaines réglementations. Et si vous voulez, depuis 2014, euh, j'essaie de, de me battre effectivement sur Gavarnie et ça a apporté ses fruits avec la municipalité. Donc je remercie euh, vivement euh, les actions qui, ont, qui auraient pu être menées également avec la municipalité. Parce que si vous voulez, il y a une restriction qui est assez importante au niveau du Parc national des Pyrénées. Et même si euh, on fait beaucoup de progrès, il faut dire que le Parc national des Pyrénées. Euh, à, je pense que les dirigeants commencent à comprendre que finalement notre activité, euh, bien sûr, si elle est maîtrisée, elle ne peut pas vraiment nuire à l'environnement. Hein. Donc nous, on essaie de travailler au sein du comité départemental de vol libre, dans lequel je suis élu euh, en commission parc euh, pour faire la liaison entre le comité départemental de vol libre et le parlement des Pianets. On travaille donc euh, beaucoup avec notre club également qui s'appelle les Paillères Volantes. C'est un club, c'est un des plus vieux clubs de France. Et donc on essaie de travailler voilà, pour élargir la discussion et pour ouvrir le, le, le parc national des Pyrénées. Eh bien, eh ben bonne chance en tout eh ben, cas. Eh bien écoutez, je vous remercie. Que... Ça, ça, ça on avance bien, on ça reste ça reste bien. On est très, très heureux de, de l'évolution qu'il y a eu. Allez, en on accueille maintenant Merci. sur ce plateau Pierre Galibert. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu Pierre, on est content de le revoir. Pierre Galibert est le directeur de France Bleu de Toulouse et en plus, il a des révélations à nous faire. Pierre Galibert. Ah C'est bon, même en plateau, nous, on a dansé, on s'est beaucoup amusé avec Marianne Aya Omac. Et donc, comme ce sont bientôt les vacances, il ne nous reste plus qu'encore deux petites semaines, celle-ci la semaine prochaine, et la semaine prochaine, on rediffusera un titre de Marianne Aya Omac pour terminer. L'année avec elle. Je suis en compagnie de Christophe castanier, qui est donc euh, parapentiste. Et alors avec vous, Christophe, on va parler euh, maintenant de votre gîte à, à Gavarnie. Et je crois que nous avons euh, les images de la webcam à Gavarnie. Ah oui, c'est possible. Et comme ça, on peut peut-être se connecter. Je ne sais pas si c'est le, le cas euh, maintenant. Voilà. Ouais. voilà direct. Les bah, images en direct à Gavarnie. Il on a dit de hein, la ouais. neige. Hein. Ouais, ils, ils ont lancé la neige, des chutes de neige. C'est ça. Il y a eu beaucoup de vent, donc je pense que ça va être des... On va voir ce que ça peut donner en termes d'enneigement sud-ouest comme ça, on peut prendre beaucoup de neige sur les crêtes frontalières. Donc, c'est une, une webcam, c'est la vision que l'on a oui, fait, de votre la gîte Oui, c'est la webcam que vous avez depuis les, les fenêtres du gîte, en fait. Et donc, tu donc fume... Ah oui, on peut, on oh là, peut dormir voilà. et euh, Voilà, vous et pouvez dormir ça. et quand vous... Voilà. Ah non, il faut que je regarde. Eh oui, c'est super <laughs> Oui, c'est oui, très bien, oui. C est, c est un gîte, mon gîte est situé au centre du village de Gavarnier, oui. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans, dans ce gîte, bien sûr On se restaure, on dort Oui, voilà, vous pouvez venir dormir, passer ses jours, se restaurer, euh, voilà, dans une ambiance tout à fait montagnarde, quoi. Dans laquelle je pourrais vous faire partager mes passions, parce que vous savez, quand les touristes viennent vous voir, quel chemin vous pensez qu'on peut emprunter ou Donc, on est là aussi pour effectivement les guider et puis leur rendre service, les accueillir avant tout, pour qu'ils gardent un bon souvenir de Gavarnie, pour qu'ils reviennent aussi. Et donc on peut, partir, on peut faire du parapente avec vous alors. Ah, vous pouvez faire du parapente, vous pouvez venir dormir. Michael, je oui. vous attends, je vous proposé, je... <laughs> On va Enfin les images, Michael. Ah, mais, il faut, attention, moi, hein, parce que je peux mais vite arriver. Et... Attention à qui. <laughs> pas de problème, Michael, quand vous voulez. Ah, j'adorerais en plus. Ah, j'adorerais, c'est ce, ce sentiment de liberté là que ouais. vous nous avez offert, rien qu'en images. Surtout, image, euh, me qu en surtout en vrai, à Gavarnie. Ah oui, un site qui Alors est, justement, euh, parlez-nous de ce oui. site à Gavarnie, parce que c'est quand même euh, un site qui est déclaré au patrimoine de l'Unesco quand même. Exactement, c'est un site de Montépierre. Au patrimoine mondial. Euh, c'est un site également qui est un pleine dans de cœur du Parc National des Pyrénées. Donc, c'est un site avec la plus haute cascade d'Europe qui est à 422 mètres. Avec des sommets qui, qui atteignent verticalement là, plus de 3248 mètres sur le Marbouré. Donc, c'est quand même ouais. assez impressionnant. Quoi. Donc, effectivement, oui, vous pouvez venir séjourner au gîte, euh, en famille, en, entre amis. Et voilà. Et... et ça sera la fête avec vous Mais, euh... La fête, je ne sais pas, parce que j'ai quand même du travail. Moi, vous savez, Michel. <laughs> Non, oui, mais, non, mais bien sûr. Bah, non, mais bon, mais après, on peut travailler dans non, le divertissement. L'idée, oh, <laughs> c'est vrai que si on, peut faire partager, vous voyez, si on peut faire partager les bons chemins, les bons endroits énergétiques, ce Gavarnie, c'est quand même un lieu qui est quand même extrêmement puissant. Quoi. Donc euh, voilà mon. Bon. En tout cas, vous, vous le constatez, à Gavarnie, dans le gîte de notre ami Christophe Castagnier, qui est notre invité aujourd'hui, vous allez vous régaler, vous allez passer un très très bon séjour. Vous allez le solliciter pour faire du parapente, vous allez voler, vous serez en toute sécurité parce que Christophe maîtrise cet art. Et pour vous renseigner, vous avez le site internet qui va s'afficher dans quelques instants en bas de cet écran. Le voici, magie du direct. Voilà, juste là. Pouk. Merci. Christophe Castanier, merci beaucoup. On merci. se retrouve tout à l'heure avec oui. votre invité, oui. qu'on a vu déjà dans le reportage, qui travaille dans l'usine de construction de voiles, etc. On en reparlera. Avec l'innocent d'être venu sur ce plateau. On fait pas voler des chiens encore. Hein. Ah oui Ah c'est top. Ah oh, ben, on a un copain, à nous la Pierre, euh, qui fait voler aussi son chien. On a des photos de lui et toi, oui. oui. Alors justement, vous parlez de Pierre, c'est votre invité. Oui, Pierre Rémy. Eh bien, on l'accueille. Eh ben, Pierre Rémy, voilà. allons-y. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue. installez vous je vous en prie. Alors Pierre Rémy, invité <coughs> d'honneur et euh, invité de l'invité d'honneur. puis alors attention, hein. on a un champion du monde, les amis sur le plateau, champion de France 2009, puis champion du monde cette année, en 2017. Félicitations. C'était en Italie. Euh, D'abord, racontez-nous un petit peu les, les étapes de ce championnat du monde. Comment ça s'est euh, déroulé mais comme vous l'avez dit, c'était en Italie. Donc on est parti euh, du côté de Feltre pour faire ce, ce championnat du monde qui se déroule sur euh, deux semaines à peu près. Deux semaines vraiment de compétition où euh, on a fait dix manches. Donc euh, le but en fait de mon activité, c'est de faire une course de vitesse sur des parcours imposés. Donc pendant dix jours, on a enchaîné euh, les manches de compétition jusqu'à décerner le titre vainqueur. Quoi. Oh là là, incroyable Et deux Français sur le podium. Hein. Vous êtes ouais. arrivé en première position, mais un deuxième Français hein, en place numéro ouais, 3 avec Echo. Le, le champion du monde en titre, c'était un Français. C'était Honoré marc qui est troisième à ce championnat du monde. On est aussi champion du monde en féminin et par équipe. Oh là là, incroyable euh, C'est super. Le chelem, quoi. Mais il faut qu'on en parle un peu plus. Bon, C'est un, un peu pour cette raison que vous êtes là ce matin, mais il faut qu'on en parle un peu plus. On a quand sûr. même des champions français, quoi. Cocorico, mince, alors. Un <laughs> animateur qui part en. Vous en faites votre non. métier euh, Oui, je travaille chez Nervure, là dans la société euh, que vous avez présentée sur la vidéo, ouais. où je conçois et mets au point les voiles. Le gros de mon métier, c'est de les tester et de les régler pour qu'elles soient adaptées à ce qu'on recherche. Vous êtes le meilleur testeur, en fait, finalement, pour euh, cette entreprise, non Oui, pour Nervure. Après, la plupart des, <laughs> des pilotes test dans les marques sont des compétiteurs de haut niveau ou des anciens compétiteurs de haut niveau. Euh, je pense que la compétition nous a quasiment tous amenés là. Et le meilleur, je ne sais pas, mais peut-être un des plus compétents. Pour nervure. C'est incroyable. Ces deux-là, ils sont d'une modestie, c'est incroyable. <laughs> c'est beau à voir et à vivre, mais. C est, c est... Vous êtes champion du monde, Pierre. Ouais. Mais on fait du parapente. Avant tout, c'est euh, c'est pour le plaisir et oui, vivre des, des belles choses et avoir de belles émotions. Mmh. C'est sûr que d'être champion du monde, c'est une, une énorme émotion, un mais... comme de gagner le championnat de France juste après le titre de champion du monde. Euh, tout ça, c'est de grosses émotions. Mais mais vraiment, ce qu'on aime, c'est se retrouver tranquille en l'air et, et voler. Quoi. Ça vous demande combien de temps de préparation tout ça Ouf. Pas forcément championnat, hein. euh, combien de temps euh, ça vous prend dans votre semaine par exemple euh, Je ne peux pas quantifier ça en termes de semaine parce qu'il y a des, des périodes où je vais être vraiment euh, off de la compétition, où je vais voler uniquement avec des vols du travail, euh, des vols que je vais mettre au point. Donc je vais passer des heures en l'air mais ce ne sera pas du tout dans le cadre de l'entraînement ça fera quand même du volume. Après euh, annuellement, je vole à peu près 300 à 350 heures par an, ah. euh, moitié moitié quoi, la moitié en compétition, l'autre moitié pour le travail. Et alors maintenant que vous êtes champion du monde, quel titre vous allez aller chercher Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça change quelque chose pour vous Champion de l'univers ah, oui. Non, je sais pas. Et pourquoi pas Bah lancez-le, lancez le lancez un concours. <laughs> l'idée, l'idée, c'est de c'est de continuer. Euh, la prochaine étape, forcément, c'est où je serai invité, c'est le prochain championnat du monde. Et jusqu'à présent, personne n'en a gagné deux, donc ça peut être euh, un objectif Allez. pour les deux prochaines années à venir. Ce quoi. sera pour quand euh... 2019. 2019. Ouais. Ben on sera avec bon, vous en moi, tout cas, j'espère que vous aurez 2019. eu l'occasion de revenir sur euh, ce plateau en attendant pour nous reparler de ces préparatifs. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau, bravo Merci. à vous Pierre, on croise les doigts pour la suite. Et euh, Christophe, ben, on se revoit euh, une prochaine fois donc à Gavarnie dans votre gîte et voulez. profitez bien en tout cas de cette activité qu'est le parapente. Merci d'être venu sur ce plateau Merci pour nous en parler. Merci on vous. regarde un extrait maintenant du documentaire de ce soir sur France 3.